Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 21 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pensée du jour, petite philosophie de ce matin, rencontrer ses voisins. Profiter des beaux jours pour poser une affichette en bas de son immeuble et convier tous ses voisins à boire un verre, sans autre motif que le plaisir de faire connaissance. Créer ainsi un espace d'amitié et de bienveillance autour de soi. Voilà pour la pensée de ce matin. Et aujourd'hui, j'ai pigé éclair, perturbation. Pour certains d'entre vous, encore une fois, soyez bien à l'aise de prendre ce qui vibre en vous, n'est-ce pas? Cette carte, c'est l'inattendu qui surgit. Oui, comme l'éclair illuminant brusquement le ciel nocturne. Elle ne vous demande pas seulement de vous attendre à l'inattendu, n'est-ce pas? Mais de l'accueillir vraiment. Et l'inconnu et l'imprévu font généralement peut-être craindre le pire, mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? L'éclair est la carte des événements qui surviennent brusquement. Il peut s'agir d'un mot révélant une information capitale ou d'une expérience bouleversante vécue au coin de la rue ou dans votre propre cuisine. Il y a avec cette carte, un élément déclencheur qui va surgir dans votre vie. Ces moments représentent des chocs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il est impossible, par essence, de se préparer à l'impondérable. Et cette carte signale la nature imprévisible de l'existence. Donc, vous allez, pour certains d'entre vous, recevoir soit verbalement, soit par courriel, quelque chose qui va faire un éclair, que vous ne vous y attendez pas. Il va avoir un changement perturbant dans ce que vous vivez actuellement. Il y a quelque chose d'imprévu. Il y a un élément déclencheur qui va faire que ça va être pour vous un éclair parce que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être aussi négatif comme positif, n'est-ce pas? Ça peut être une illumination. Peut-être que cet élément déclencheur va faire que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il faut prendre d'autres directions. Donc, c'est à vous à voir ce que vous vivez. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Donc, ici, on vous avertit qu'il y a un élément perturbateur qui va venir dans votre vie. Présentement, un coup du sort, quoi. Ça va vous perturber, mais ça peut vous perturber positivement, comme ça peut vous perturber négativement. Voilà pour le message. Et pour le petit oracle des couleurs, j'ai pigé carmin, la couleur carmin. C'est un peu un rouge très foncé comme ça. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, mais vraiment, prenez soin de vous en douceur, prenez soin des personnes qui vous entourent, prenez soin des personnes que vous aimez.
Et moi, je vous dis à demain, je vous embrasse. À demain.